Je vous invite à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, Père d'amour. Nous venons devant toi avec des cœurs pleins de désir de te louer. Nous ne pouvons pas chanter ton saint nom assez suffisamment. Car tu es grand et tu es plein d'amour. Tu connais toutes choses et tu es partout. Nous sommes heureux, privilégiés d'être tes enfants. Tu nous donnes toujours un nouvel espoir. Et aussi, tu renouvelles continuellement notre joie. En dépit des circonstances à travers lesquelles nous vivons, tu nous aides et tu nous protèges. Nous sentons continuellement ta main paternelle. Merci, cher Père Céleste. Nous avons des souhaits de mettre ce merci non seulement en parole, mais en action. Merci pour ceux avec qui nous travaillons. Merci pour chacun de tes enfants. Merci pour notre apôtre patriarche. Et que tu nous as mis tous ensemble sur le même chemin. Merci pour ce que tu fais pour cette œuvre. Merci pour cette occasion d'être ensemble et pouvoir partager ta parole. Nous avons cette occasion pour exprimer pour toute la communauté nos désirs et nos souhaits. L'église est vide, mais ceux qui nous suivent sont nombreux. Et ensemble devant toi, nous avons des pétitions pour ceux qui sont malades et en souffrance. Ceux qui souffrent économiquement pendant ces moments. Ceux qui ont des conflits dans leur cœur ou au sein de leur famille ou dans leur travail. Donne une paix et une solution. Que ton esprit nous guide en toutes choses. Pour ceux qui ont perdu un bien, mais c'est auprès de toi que nous cherchons à nouveau consolation et force. Que tu puisses essuyer nos larmes. Pour ceux qui ont la crainte, cher Père Céleste, effacez cette crainte. En toi, nous plaçons toute confiance. Nous prions pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui sont exposés à cause de leur travail, donne à eux une protection spéciale et un courage. Sois avec les dirigeants de ce pays. Accorde sagesse en ces moments et qui nous conduit à travers ces circonstances. Avec ton aide. Sois avec chacun de tes enfants. Que l'esprit que tu nous donnes puisse aussi nous permettre de nous transformer à l'image de ton fils. Sois avec les familles qui ont perdu quelqu'un. Que tu puisses aussi aider à ces choses. Maintenant, permets que ton esprit soit manifeste. Et que nous puissions avoir ta parole et pas une autre parole. Et que cela puisse nous aider à traverser ces moments. Et nous donner une lumière aussi pour les jours qui suivent. Que ta parole puisse nous permettre d'être un et consolider l'un à l'autre. Nous tous avec notre apôtre patriarche. Et c'est pour cela rien ne peut nous séparer
de ton amour. Que nos bien-aimés de l'au-delà puissent souper avec nous maintenant. Donne beaucoup plus et mieux que nous pouvons mettre dans les simples paroles. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, chers invités, chers amis qui se joignent à nous. En ce jour, nous sommes heureux de fêter ensemble dimanche de Rameau. Et comme on a dit, même si l'église est vide, nous sentons aussi une présence, une proximité l'un à l'autre. Nous vous transmettons aussi les salutations de notre apôtre patriarche. C'est lui qui nous donne cette parole pour cette matinée en Luc 19e chapitre, les versets 41 et 42. Quand il approcha de la ville et qu'il vit Jésus, pleura sur elle et dit: si seulement tu savais, toi aussi, si tu avais reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Awa Yesu akomi pene pene ya mboka Jérusalem, tango amoni yango aleli po na yango alobi e Jérusalem, natondi na mawa po makambo oyo ekoki kokomela yo boboto lelo oyebi yango te, ya solo okoki koyeba yango te. Jusqu'à là. Kinoana. Bien-aimés en Christ, en cette journée de fête, nous avons une habitude selon notre liturgie. Balingami kati ya Christo na eleko ya fête na lolenge to sale la kalosambo, d'avoir une parole particulière qui est lue par un frère ou une sœur à côté. Tozalaka na momesa na kotanga liloba moko yo molingami ya mobali nto ya mwasi ya kotanga pene. Permettez-moi en ce moment de le lire moi-même. Vous pouvez suivre aussi dans les différentes langues à la maison. Cette parole est tirée de Marc, le 11e chapitre, versets 1 jusqu'à 11. Malobe ezali na mukanda ya Marc, chapitre 11, na verset ya liboso, kino na 11e verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphage et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, dans la rue où ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on le laissa faire. Ils amenèrent l'anneau à Jésus, jetèrent les vêtements sur lui et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupaient dans
les chants. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna, dans tous les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortait pour aller à Béthanie avec les 12. Mes bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, chers amis. Dans cette parole, nous lisons les événements, ce qui s'est passé pour ce premier jour de rameau. Si je peux souligner un petit détail. À un certain moment, le Seigneur a donné des instructions de chercher un animal, un agneau, C'était pas un hasard. Notre Seigneur Jésus, en faisant ainsi, a pu voir comment accomplir une parole qui était déjà dans l'Ancien Testament. Car en Zacharie 9, verset 9, c'est déjà détaillé. Il entrera sur un anneau. Plus tard, nous lisons de notre Seigneur Jésus en Apocalypse 19e chapitre. Et le verset 11, on parle de celui qui vient, mais cette fois-ci sur un cheval. Son nom s'appelle Vérité. Et il s'attaque et œuvre pour la justice. C'est deux images tout à fait différentes. Pendant notre vie néo-apostolique, chrétienne, toi et moi, nous avons écouté ces paroles. Le Seigneur a besoin de vous. L'un l'autre peut le prendre au sens que peut-être bon, je peux faire quelque chose pour lui. Un ou l'autre peut être étonné. Et quand nous écoutons quelqu'un qui dit le Seigneur a besoin de toi, tu peux te dire, est-ce que ce n'est pas tiré? Que lorsque le Seigneur a demandé pour un anneau, suis-je un anneau? Suis-je un animal? Non, c'est en quelque sorte pour dire que le Seigneur a besoin de toi et de moi, peu importe d'où nous venons. Il ne regarde pas l'extérieur. Ni ne cherche pas non plus tout ce que le monde cherche en forme de qualité. Il connaît ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin d'une autre puissance, d'une autre qualité externe pour accomplir son œuvre. Car tout vient de lui. Nous acceptons aussi d'être un serviteur, une servante de Dieu. De jouer notre rôle, peu importe que le Seigneur demande de nous. Après, nous savons dans son plan, il a des rôles aussi pour nous. Ça prend une autre forme, ça prend une autre dimension. Mais nous pouvons et nous voulons tout simplement être un outil dans la main de notre Seigneur Jésus. Dans le texte biblique en Luc, il en est question de Seigneur Jésus qui est entré dans la ville. Et les gens criaient Hosanna. Certains disaient, ça y est, maintenant il a reçu tout ce dont il attendait. Regardez, les gens le suivent, c'est ce qu'ils voulaient. Mais en regardant après, on voyait qu'au lieu d'être content,
le Seigneur Jésus pleurait. Peut-être les uns et les autres disaient maintenant il n'est pas content. C'est bizarre pourquoi il pleut. Il ne peut jamais être content. Mais nous savons, Jésus savait pourquoi il pleurait. Car les gens à ce temps avaient des attentes qui étaient différentes de ce que le Seigneur voulait pour eux. C'est pour cela qu'il a dit, si seulement vous savez ce qui appartenait à votre paix. Ce qui pour les gens, ce qu'ils voulaient, ou ce qu'ils avaient à les définir comme la paix. C'était des miracles qu'ils ont vus. Le Seigneur qui pouvait ressusciter les morts. Ah, Lazare était mort, il est ressuscité. Lazaro, il y avait un malade, maintenant il est guéri. C'est formidable, ça va nous donner la paix, le Seigneur Jésus, qui va répondre à tous ces problèmes. Les autres attendaient à être libérés de la prison. Où ils étaient. Car en tant que peuple ou pays, ils étaient sous l'emprise romaine. C'est lui qui va maintenant chasser ces Romains. C'est lui qui va chasser les ennemis. Il y avait une autre partie qui faisait partie de juifs pieux à ce moment. Qui voyaient en Christ maintenant la capacité de rétablir le royaume. Le peuple de Dieu maintenant, il ne s'agit pas d'un royaume de ce monde. Les lois de Moïse vont primer. On va le louer, on va donner nos offrandes, nos sacrifices. Dieu va nous bénir. On serait bien avec cette situation. Et Jésus était triste parce que cela ne concordait pas à sa vision. Il savait que Lazare, un jour, il va à nouveau être mort. En dépit de toutes les solutions, on peut dire ponctuelles, qu'il trouvait ici-bas, ils auront toujours faim. Ils vont devenir à nouveau malades. Jésus était triste aussi parce qu'il voyait que je ne suis pas venu pour libérer. Les gens de leurs problèmes ici-bas. C'est pas moi qui va chasser l'ennemi maintenant, tous vos problèmes. Si je chasse un ami, l'autre, l'autre va venir. Il était aussi triste parce qu'il voyait que ce n'est pas un royaume ici-bas. Il a souligné ça plus tard en citant ce fait que le temple va être détruit. Ce qui a été bel et bien le cas. Et quelles sont nos attentes? Qu'est-ce que nous attendons de notre Seigneur? Pourquoi nous suivons? Que ce soit dans l'Église, que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit Dieu. Est-ce que nos attentes sont terrestres et ici-bas? Que ce soit de chercher une certaine richesse terrestre, quelqu'un qui va nous guérir de notre maladie, guérir la ville ici. Notre Seigneur est venu pour une richesse céleste. De donner quelque chose qui dépasse ce moment et temps, qui va pour toute éternité. Est-ce que notre attente, c'est que le Seigneur Jésus va chasser tous nos ennemis? Tous les méchants vont être punis. Les bons vont être bénis.
Ce n'est pas son travail. Parce que le vrai ennemi, même si on chasse tous ceux qui sont extérieurs, est à l'intérieur de nous. Il y a un serviteur qui se plaignait de l'un et de l'autre. Et son papa lui a dit, maintenant, si tu veux vraiment voir le diable, tu n'as qu'à regarder dans le miroir. Et si nous regardons dans le miroir, nous pouvons regarder qu'au fin fond de chacun d'entre nous. Le mal est là. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu pour nettoyer, pour abolir définitivement. De donner une libération qui va au-delà de notre vie terrestre. La liberté de Christ va même dans le royaume des défunts. La liberté de Christ nous accompagne pour toute éternité. Les autres, peut-être, on a des attentes. Qu'en respectant les lois, en louant Dieu, en chantant Dieu, en donnant nos offrandes, en donnant nos sacrifices, en priant beaucoup, que cela va nous procurer la paix. Or que nous savons, car Christ a dit, ça ne suffit pas. Et personne ne peut se procurer cela de lui-même. Ce n'est qu'une paix qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. C'est quoi cette paix? Ça veut dire quoi? Nous pouvons avoir la paix dans notre foyer, pour un peu de temps, une paix à l'école, une paix au travail. Une paix dans le pays. Ça dure un peu de temps. La paix que le Seigneur donne est pour toute éternité. Cela peut être même dans notre cœur aujourd'hui. En dépit des vagues et des problèmes, nous avons une paix de Christ. Paix égale salut. Kimia ezalinde lobiko. La paix veut dire la vie éternelle. Kimia elingi koloba. La paix veut dire la communion éternelle avec notre Seigneur Jésus et avec Dieu. C'est pour cela que le Seigneur disait, si tu savais, ceux qui appartiennent à cette paix-là, ce n'est pas tellement des chants de louange ici-bas, mais quelque chose qui va au-delà. Et il a donné la solution. Pour avoir cela, ceux qui appartiennent à cette paix, croyez en moi. Croyez, comme fils de Dieu. Lui qui est mort est ressuscité. Celui qui va revenir nous prendre. Et d'avoir confiance en lui. Parce qu'on peut croire en lui, mais avoir confiance en lui, même dans ces moments difficiles. Dans la maladie, dans le chômage, nous savons, nous ne sommes pas seuls. Que rien ne va maintenant ébranler notre confiance en Dieu et en lui. Cela appartient à notre paix. Bien sûr de suivre aussi l'enseignement. Les recommandations d'être rené de l'eau et de l'esprit. De prendre part à la Sainte-Cène. C'est-à-dire, ça c'est important, nous le savons et nous le faisons. Même en ces moments difficiles où on est privé de la Sainte-Cène, on ne peut pas trop s'en faire. En cela, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur nous aiderait à traverser ces moments. Mais en plus de croire seulement en lui, d'avoir confiance, il faut aussi avoir une repentance et de chercher l'humilité
olukande ko bande ko zala moto ko mikitisa comme cet anon ko zala lokola mwana ya meme wana de ne pas chercher des excuses de gauche à droite et lukaki ba bolimbisi bipai na bipai te de ne pas se justifier pour dire tout le monde le fait alukaki ko pesa bianote te motonyo so sala ki azo sala yango nous reconnaissons nos seigneurs nous avons fait du mal. Nous comprenons c'est important pour avoir la paix, la grâce, le pardon. Avec le pardon vient aussi ces paroles et la paix soit avec vous. Et si on ne peut pas avoir le pardon, on ne peut pas avoir cette paix. C'est pour cela qu'il faut repentir. Et en dernière chose, il faut avoir aussi un renouvellement complet de l'intérieur. Car l'ancien Adam ne peut pas aller au ciel. Et lorsque nous cherchons à adopter l'image de Christ, sa façon de penser, de parler, d'agir, de prier, sa façon de vivre, sa façon d'aimer, sa façon de pardonner. Et si cette transformation n'est pas à 100%, le Seigneur, avec sa grâce, nous aide à être complet. Cela doit vivre en nous. Ça nous anime, ça nous pousse. Un joueur de l'équipe de football ou de n'importe quelle équipe peut respecter les règles qui est donné par son coach, son manager, le propriétaire de l'équipe, parce qu'il a peur, s'il ne le respecte pas, il va être chassé, il va être puni. On ne va plus l'avoir sur l'équipe, où il ne peut plus jouer, il doit rester sur le banc. Il respecte les règles, mais ça n'a vie à lui. Tu es d'accord avec ça, tu peux le demander. Je ne comprends pas, mais j'ai peur d'être ne pas être sur l'équipe. C'est pas de cette façon, ça vit en nous. Peut-être on ne comprend pas tous. Et l'amour nous pousse à le faire. Le Seigneur, il a dit, aujourd'hui, si tu savais. Et c'est pour cela aussi nous voulons souligner, aujourd'hui, pour toi et moi, nous vivons un temps de grâce. Nous faisons tous à suivre ce que le Seigneur attend de nous et qui appartient à notre paix. Pour ne pas pousser à demain. On ne sait pas combien de temps le temps de grâce va durer. Nous voulons utiliser cela et puis prendre, s'accaparer de ce qui appartient à notre pays. Rester avec cette confiance. D'être sûr. Qu'est-ce qui donnait la paix à notre Seigneur Jésus? Pendant le moment le plus dur de sa vie, les amis, les autres l'ont abandonné. Il savait qu'il allait être trahi, ils allaient être maintenant morts. Mais nous pouvons lire en Jean 16e chapitre. Il dit, je ne suis pas peur, je n'ai pas peur. Le Père est avec moi. Tata azali longo nangai. Il avait la paix malgré le problème. Azalaki na kimia ata ko makambo. Et c'est ça que nous voulons adopter. Wanande maitoling dozobunda pona kosala. Pendant ces moments. Neleko ya tango yo. Ou peut-être on a une crise, les gens ils ont peur. Nous sommes calmes. Naileko yo kobanga bangezali biso to sengi kuzalande na kimia. Nous utilisons l'esprit et l'intelligence que le Seigneur nous donne. Tozali kosala la voir ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire en ces moments. Et nous n'avons pas peur, nous avons cette paix.
Bongo tozali kobanga te tozali na kimia yango. Le Père il est avec nous. Pamba te tata azali longo na biso. Il ne nous abandonne pas, il ne nous abandonnera jamais. Ye atiki biso te pe akotika ka biso ata mokete. Amen. Amen. Eh bien aimé, nous ne sommes pas seuls. Malinga mi tozali biso mokote. Un autre frère peut nous servir pour quelques moments. Nous invitons l'apôtre Kabongo. Vous allez convaincre ça, apôtre Kabongo. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Balingami Katina Christo. Nous ne pouvons que remercier notre Seigneur de nous avoir donné cette opportunité de partager sa parole. Malamu totonda tata na biso likolo pona ileko ya ngongo ya pesi biso akabola liloba na ye. Et cette parole qui nous a été adressée par notre apôtre district. Ilobo epesami na biso na ntoma na biso district. Il nous permet de revivre ce que le Seigneur Jésus avait vécu en son temps. C'est vrai, il était vraiment triste de voir le comportement de ses contemporains. Ceux qui n'avaient pas intériorisé le sens de sa mission. Et ils avaient d'autres attentes qui concernaient leur vécu quotidien. Mais ceci nous pousse à nous rappeler aussi d'une autre parole de notre Seigneur Jésus. Laquelle il avait adressée à ses disciples. En disant ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Mes bien-aimés en Christ. Balingami katina Christo. Qu'est-ce qui avait troublé le cœur des contemporains de Jésus? Nini esalaki kili kili na mitema ya bazalani ya eleko ya Christo. C'était l'oppression du pouvoir romain qui s'était installé dans leur pays. Esalaki nde lolenge ya kosala ya bandeko ya bokonzi ya mboka ya Roma ba ibazwamaka na mboka na bango. Et ils avaient toujours le souci de voir être rétabli le royaume de David et de Salomon. Bango bazalaki koluka tango nyoso kolukete bokonzi ya Dawidina Salomo ya bandeko zonga. Et ils cherchaient qui pouvait chasser les Romains dans leur pays. Ba bandaki koluka nani akoke kobenga na bandeko ya mboka Roma na mboka na bango. Et cela avait offusqué leur vue. Pambate yango etungisaki nde bomoi na bango. Et ils ne pouvaient pas voir réellement le sens de la mission de Jésus. Ba kokaki komona penza malamu te mosala ya nkolo na biso Yesu. C'est ainsi que ce jour où le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem. Etina wana wande nkolo na biso Yesu akotaki na mboka Jérusalem. Tous pouvaient être dans l'allégresse comme on peut le lire dans les Écritures saintes. Banso basengelaki nde kosepela ndenge tokotangaka na makoma mi santo. Et ils attendaient à ce que le Seigneur Jésus prenne le chemin du palais royal. Afin de mettre en déroute le pouvoir romain. C'est ce qui avait attristé notre Seigneur Jésus. Et il a dit, si vous saviez ce qui pouvait contribuer à votre paix. Mais bien-aimé en Christ. De notre temps, qu'est-ce qui peut troubler aussi notre paix? Généralement, lorsqu'on est malade, peut-être on n'est pas en paix. Lorsqu'on est dans le chômage, on n'est pas en paix. Lorsqu'on a des problèmes dans son foyer, on n'est pas en paix. Mais est-ce que le Seigneur Jésus était venu pour ça? L'apôtre disciple nous a dit qu'il était venu pour le salut.
Et pour obtenir ce salut, il fallait croire en lui et en celui qu'il avait envoyé. Pourquoi la croyance en notre Seigneur Jésus et en son Père doit nous procurer la paix? Parce que Dieu a des caractéristiques qu'aucune personne ne peut avoir ici-bas. Nous savons tous qu'il est omniscient. Cela veut dire que Dieu connaît toutes choses. Et il connaît ce qui peut nous empêcher d'atteindre le salut de notre âme. Et ce qu'il pourra faire, c'est pour nous aider à atteindre cet objectif qui n'est autre que notre salut éternel. L'autre caractéristique est que notre Père Céleste, il est omniprésent. Cela veut dire que partout où nous sommes, il est là avec nous. Et il ne pourra pas permettre à ce que quelque chose nous arrive pour détruire notre avenir éternel. La dernière caractéristique est que notre Père Céleste, il est omnipotent. Qu'est-ce qui peut nous détruire sans qu'il y ait l'intervention de notre Père Céleste? Rien ne peut lui résister. Il a la capacité et le pouvoir sur toutes choses. C'est ainsi que si nous nous référons même à ce qui s'était passé lors de la traversée du lac, il est dit que les disciples étaient tentés de voir les vagues, la tempête. Ils n'avaient pas la paix en eux. Mais lorsqu'ils se sont rappelés qu'ils étaient avec le Seigneur dans la barque, ils sont allés vers lui. Et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est présenté comme le maître de tout. Même la tempête pouvait lui obéir. Tout ça, c'était pour empêcher que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Et l'œuvre de Dieu, c'est la création du nouvel homme. Cet homme nouveau va hériter le royaume éternel. Mais bien aimés frères et sœurs en Christ, la question nous est posée aussi. Quelles sont nos attentes à travers la mission de notre Seigneur Jésus dans l'apostolat? Particulièrement dans cette période que nous traversons. C'est vrai, beaucoup peuvent se poser des questions. Pourquoi Dieu peut accepter que cette pandémie soit là? Mais lui, il est le créateur de toutes choses. Il sait comment les choses vont se passer. Et l'apôtre d'Isaïe nous a dit, plaçons toute notre confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons ce que nous pouvons faire. Par rapport à la pandémie, il y a des spécialistes en la matière qui donnent des consignes. Nous devons les respecter. Nous ne devons pas nous exposer pour dire que nous sommes fils de Dieu. Mais si nous respectons d'abord ce qui est donné comme consigne, et le reste, ça sera l'affaire de notre Père Céleste. Nos attentes par rapport à notre Seigneur Jésus, c'est ce que l'apôtre d'ici a dit, nous devons nous repentir. Quitter le mal et faire le bien.
et placer toute notre confiance en son œuvre. Et lui, il va nous conduire sûrement jusqu'à notre perfection éternelle. Et si nous savons que ce monde va passer, et ce qui est utile, c'est l'avenir, le royaume des cieux à venir. Cela va remplir nos cœurs de cette paix céleste. Et nos cœurs ne se troubleront jamais. Et au jour de notre Seigneur Jésus, nous vivrons cette paix éternelle. Que ces paroles remplissent nos cœurs aujourd'hui à jamais. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, en cette période de passion, nous ne pouvons que penser à l'apôtre Pierre, qui de notre Seigneur Jésus a reçu une mise en garde. Il lui a détaillé l'avenir, il a dit attention. Pierre a pris ça, il a dit jamais. Je ne peux pas t'abandonner, tu ne serais pas mort. Bon, nous savons la suite. Il n'a pas pris ça à cœur. Et il était piégé par le diable. Pour toi et moi, nous voulons aussi prendre à cœur ce que l'Esprit nous dit. Nous pouvons dire c'est bien pour la sœur telle ou le frère tel. Ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. Ne regardez pas loin, regardons à l'intérieur. On peut dire j'ai déjà écouté cette parole. Et on le respect de notre Père Céleste. Le respect de l'Esprit pour dire il a réveillé ça à nouveau pour toi. Et nous faisons attention de ne pas tomber dans le même trou. Nous faisons tout afin d'avoir la paix. De repentir, de regretter. Les autorités nous disent de rester à la maison. Maintenant, quand on est à la maison, on commence à regarder de gauche à droite. On s'ennuie parce que les enfants nous dérangent. On ne sait pas quoi faire. Ceux qui ont des pensées maintenant, je vais commencer à améliorer ma maison. Je vais nettoyer, je vais réparer, je vais adresser ce problème. Prenons ce moment pour regarder à notre maison à l'intérieur de notre cœur. De ne pas gaspiller le temps, regarder à l'intérieur, voir ce qui est nettoyé, a changé. Ça aussi fait partie de la repentance. De la réflexion. Ça appartient à notre pardon et notre paix. Nous voulons écouter un cantique de repentance qui prépare davantage notre cœur. Thank you.
À présent, nous voulons réciter ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Cher Père Céleste, merci pour ce pardon, pour cette paix. La grâce qui tombe sur nous, nous ne le méritons pas. C'est un don de ciel qui vient par ton amour. En amour, nous voulons garder ça tout près de notre cœur, précieusement. Ce pardon et cette paix précieuse qui est dans notre cœur. Personne ne puisse l'enlever. Merci pour ces grands dons. Mais pour le sacrifice de ton fils. Pour les nombreuses fois que tu nous pardonnes malgré nos imperfections. Nous cherchons à ne plus pécher. À nouveau, bénis et aide ton peuple. Du plus petit jusqu'au plus grand. Tu connais leurs soucis, leurs besoins. Nous oui. Plaçons ça à vous. Aide à ce que nous puissions, nous soyons des outils dans ta main. De servir comme ton fils nous a démontré. D'aimer et de continuer à pardonner comme ton fils nous a donné l'exemple. Bénis et aide notre pays ici. Les dirigeants, les autorités, ceux qui nous soignent aussi, nous vous donne protection, aide, courage, sagesse. Nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons clôturer le service divin avec une prière finale. Cher Père Céleste, à la fin de ces quelques moments ensemble, merci à nouveau. Merci pour parole et grâce. Merci pour cette paix. Garde-nous unis avec notre apôtre patriarche. Et que rien ne nous sépare de ton amour. Sois avec à nouveau ceux qui sont dans la souffrance. Conduis ton peuple en toutes choses. Et que ton fils vienne vite nous prendre. Que personne ne soit oublié ou laissé ce moment. Nous te demandons tout cela au nom de ton fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.
Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Merci aussi à ceux qui se sont donné le temps pour se joindre à nous. Nous voulons utiliser ces quelques moments qui nous restent pour se rappeler de quelques signes et consignes que nous avons reçus. Pour ceux que nous aimons, mais pour tout le monde. Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les mesures prises par les autorités. De même que les gestes barrières et de contribuer ainsi à la lutte contre cette pandémie. D'éviter le regroupement de personnes, ce qui nous permet de limiter la transmission du virus par voie orale. Dans la mesure de possible, de rester à la maison. Et si on doit sortir, de respecter la distance d'au moins un mètre. Ce qui s'engueule comme ma, quoi bande ko tous à cause à la peine à moninga na bokaboni na un mètre. Saluez-vous de loin. Évitez les embrassades ou de se serrer les mains. Lavez-vous les mains aussi souvent que possible. Avec une solution spéciale. Na kisi ya malonga. Ou avec de l'eau simple. Pe na mai oezali kotiola. Mais pour suffisamment de temps. Pe na moi eleko molai angonga. Là, je vous donne une astuce pour apprendre les tout petits à se laver pour assez de temps. Wana na kolaksa bino lolenge moko ya kosala pona kolaksa bana mike lolenge ya kosala. Parce que souvent c'est vite fait. Et mbala mususu basokola kana lombango. Pendant qu'ils se lavent, on leur demande de chanter. Awande azali kosokola malamu kosenga ya bande koyemba. Joyeux anniversaire. Koyebisa ya ye manzembo ya joyeux anniversaire mbala mibale. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux au dit Seigneur, jusqu'au jour du Seigneur, que Dieu vous bénisse, au dit Seigneur. Et voilà, ça fait là de 20 secondes. Wana tosili kolekisa mwangonga koleka 20 secondes pe sinzela mpwete asokola maboko malamu. Eternue. Soke sengeli kokosola. Dans votre coude. Malamu kokosola na bobo ngumba kande loboko. Dans un mouchoir. Tope na kasa o sengeli kosalela. Qui est jetable. Yango sengeli nde kobwaka yango malamoko. Et de le jeter dans une place appropriée. Malamu kobwaka yango na fulu tope na siko elongo bani. Et pas sur la route. Nanzelate. Ou de le laisser à la maison. Tope kotika yango na kati anda kote. On peut éternuer dans le coude. Esengeli kokosola kana gumbaka loboko. Parce que si on éternue ou tous dans la main, on peut le transmettre plus facilement. Soki kosoli na kati maboko o yo kabal sus bokono wana na bosimba ka bipai na bipai. Alors si vous soupçonnez une infection. Soki okomona mbala msusu lokola ozali na bokono. Et vous voyez l'apparition de quelques symptômes. Bongo omoni mwa bilembo msusu. Essoufflement, des problèmes pour respirer. Okomi na pasi ya kwebande kopema. Une toux sèche. Topo ozali kokosola mongongo ezali kokauka. La fièvre. Okoyoka moto ekobima na nzoto. Mal aux articulations, aux muscles. Mikuwa ekomi koluka kosala lokola pasi. Une combinaison de ces signes.
Restez à la maison. Si possible, isolez-vous de votre famille, les autres. Si c'est n'allez pas directement dans un hôpital, un centre médical. Une clinique pour éviter toute contamination potentielle. Car il y a un risque d'infecter les autres personnes. Ou si vous ne l'avez pas encore attrapé, de l'attraper lors de ces contacts. Restez chez vous, suivez ces signes. S'il y a une aggravation de ces signes, alors c'est là où vous appelez maintenant les numéros donnés. 101, numéro 101, nde yango numéro ya principal. Le numéro 109 aussi. 109 pe okoyi kobengela yango. L'équipe d'intervention vous contactera. Bayeba tiami na kata mosala wana bakobande kobenga yo. Vous examinera. Bakobande kosala mime bakobande kosala examen. Et vous prodiguera des conseils à conduire, des conduites à tenir. Bakopesa yo toli pe bakoyebisa mai osengeli kosala. Nous pouvons faire une liste de différentes consignes. Tokogiko tanga ebele amba mibeko epesami. Continuons à prier surtout. Mingi esengeli pe kokoba pe kobondela. Nous allons faire une liste de ce pour quoi on peut prier. Tokogiko lobela pe mai masengeli biso kosambela pona yango. J'ai noté 6, vous pouvez ajouter. Na lobeli yango kaka 6 mais mususu bino pe boiko bakisa. Prier à notre Père Céleste d'aider ceux qui sont malades et de protéger ceux qui ne sont pas encore. De prier à notre Père Céleste de donner aux dirigeants pendant ces moments toute la sagesse. Afin qu'ils ne nous conduisent pendant cette pandémie et cette incertitude économique. Que notre Père Céleste aide tous ceux qui sont obligés à travailler. Santé ou autre. Tata na biso asali sabaye nyoso basengeli kosala mosala pona mino na bokolongo no banzoto pe makamu mususu. Pour une protection spéciale, le courage. Apesa bango libatele malonga pe konzo ya kitoko. Nous prions qu'il renforce notre église mondialement et ici. Toko sengete abande kosunga eklesia na biso na kata mokili mobimba pe awa. Comment nous pouvons répondre aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Lolenge kani toko ikopesa biyano na bayebanso bazomi nzinga nzinga na biso. Nous prions qu'il calme nos peurs. Tozali kosambela yete abande komema kimia na bobangi na biso. Que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs. Malamu molimo mosanto etondisa mitema na biso. D'espoir, de joie. Elikia mpesengo. De paix. Kimia. Et que nous continuons à avoir la confiance en lui. Et toko bande kote la nzambe na biso motema. Que nous utilisons ces moments difficiles. Pe tozali kosalela eleko ya pour transformer nos pensées, notre style de vie, notre parole. Pona kobongola lolenge na biso ya kokanisa pe lolenge na biso ya kosala pe ya koloba. Nos actions à l'image de Christ. Lolenge na biso ya kosala na lelingi ya Christ. Je suis sûr que la liste peut continuer. Na nimete ezali solo nde molayi. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse, nous protège. Matondo mingi nzambe apambola bino pe abatela bino mingi koleka. À bientôt. Kino bokutani mosusu.